Marée sur le coup. Bon, on va faire du coup Maya l'abeille. Alors Maya, si on y connaît son histoire, c'est obligatoire qu'il y ait une saison 3. Alors Maya, bien, mais toi t'as vu les fins déjà? J'ai vu celle de TJ et de Maya. Mec. Bah j'ai vu Spidol, il m'a dit que c'était, il y avait celle de Kagra aussi. Ouais, mais je l'avais pas regardé. Diario obstine à la volonté d'acier au combat, Maya se trouve toujours en première ligne en train de charger, armé de ses dagues, modération et vengeance, voire modération. Même. Modération. Ouais, modération. Modération. Putain, modération. C'est tempérance. Modération, c'est marqué. Alors, attends. Maya Fiergeros is a member of the Night Guard, an ancient order of monster hunters. Yeah, c'est. In their dungeons, the order stores recovered artifacts too dangerous to use. And creatures to power. Ah mon dieu, c'est dégueulasse. Ultratech discovers the hidden city when a power source of unknown origin is detected within the mountain and dispatches a force to raid the site and take its prizes for Ultratech. Unwittingly unleashing an ancient evil on the world. La garde de la ville. Putain, qu'ils arrêtent de mettre des screamers de 4 ans. She takes up the ancient weapons of the mad sorcerer Kanra. The twin daggers. Ah d'accord, en fait, grabbing the daggers hits Maya with the power of lightning. The daggers war for control over her mind. Vengeance calls for bloodshed. And she is inclined to oblige. Yes, in their way. En fait, à la base, les dags étaient à Kanra, quoi. Elle les a volés. Non. Ah d'accord. Chaque coup de dague plonge Maya dans une atroce souffrance, mais les hurlements de ses camarades abattus la ramènent à l'arrêter. Oh, c'est mignon. Non, cowboy des. Coéquipier, je vais me battre et marquer ce but. Ouais, c'est stylé. Je savais trop pas que les dagues c'était un canard de base. Ah ouais. Ouais, il est métal, le machin. Mais carrément. De quoi? Oh la vilaine. Vilaine Maya. Ah, c'est la vilaine. On va te couper la main. On lui coupe la tête. Non, la main. Mais elle fait partie de la garde de la nuit, faut l'envoyer au mur. Oh, bien joué. For the watch. Oh la vilaine. Alors comment ça joue ça? Oula, oh là là, oh là, je me sens senti junior. Oh là, oh là, oh là. Incroyable. Car avant et car arrière. Ok. Il sent que le mec il a pas pris la peine de l'utiliser une seule fois. Putain, mais ça se trouve c'est la première fois qu'il joue avec. Ah oui. En premier taf on cible. Putain, mon poulain il se fait. Mais il se fait poutrer. Bah ouais, c'est comme ça quand un poulain en méchant généralement il gagne pas la fin. Et c'est grand dommage. Bah ça va, tu commences bien. Tu sais comment ramasser les dagues? Ouais non bien. Là sur le chat ils ont commencé à faire un mode histoire avec telle ou telle personne. Il y en a, ils ont déjà fumé hein. Ah bah oui. J'en ai vu un, il a, enfin sur Facebook, il a terminé tout, il a tout fait. Non mais en une après-midi, ça, enfin au vu de la durée du mode histoire de TJ Combo, en une après-midi, c'est torché. Non mais tous les persos, toutes les fins, tous les défis, il ah, a tout. Voilà, ouais. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, allez, tout. Mec, putain. C'est à cause de vengeance. Il lui a dit pour les défoncer. Attends, ça va, c'est bon, ils sont malades. Non, c'est à cause de modération. De modération, ouais. Modération, putain. Ouais, qu'est-ce qu'il nous fait l'autre? Modération. Ça se voit que c'est pas toi et moi qui ont traduit le art. Ah non, je pense que ça serait mieux pas ça. Ah, c'est quoi l'ultra? Ah ouais, carrément. C'est quoi l'ultra? Je crois que c'est qu'avant tu vois. Je sais pas si c'est point ou si c'est pied. Car arrière pied, je crois. Je crois que c'est car arrière pied. Eh, vous mitonnez, je suis niveau 21 avec. Presque 22. Putain. Et pour ramasser les dogs, je suis niveau 21 les avec cette pute. Enfin, pardon, alors, avec on est cette. Complètement à l'ouest en fait, l'ultra combo de Mayas, c'est car avant point. Car avant pied. Car avant point. Car avant pied, on me dit. Ouais, mais hein, c'est absolument pas ça. Ah, c'est caravant point. Alors qu'elle observe les dégâts, Maya comprend qu'elle est le dernier membre vivant de la garde de la nuit. Elle doit racheter son ordre en pourchassant les monstres libérés et s'assurer que cela ne se reproduise pas. For the Watch.
Et là, Riptor, putain, le contraste quoi. En fait, direct, t'affrontes tous les ennemis ultra tech quoi. Enfin, tous les ennemis. Tout court. Ouais, de ultra tech plutôt. Cinder, Riptor. Mais normalement, Maya, elle est alliée avec Aghanos, je crois. Bah, elle est alliée de circonstances. Bah, pour l'instant, elle a pas rencontré son village, vient de se faire ôter tosé. Ouais, à cause de l'apparition de Kanra qui voulait récupérer les dagues. Mais non, c'est Arya qui a volé les dagues, alors Kanra, c'est pas l'inverse. C'est pas Maya qui a volé les dagues ? Si. Ouais, il a dit Arya. Ouais. C'est Maya qui a volé les dagues et c'est Cinder qui a voulu les récupérer. En faisant tout cramer. Voilà. Ouais. Bah, j'espère que quand tu feras le mode story de Victor, tu vas level up un peu la difficulté parce que là c'est mou. C'est mou niveau intelligence, là, c'est mou. Je suis désolé. Il a quasi perfect, ça sert à rien. Parce que... Bah ouais. Ah, c'est pas caravan point. Caravan pied. Bah parce que ouais, j'avoue, ça doit pas être très intéressant parce que ouais, je suis à fond, je suis en train de me concentrer à réapprendre le bonhomme, tu vois. Donc, du coup c'est bien. Mais ouais, pour les persos que je serais maîtriser oh putain, là elle a le sang violet. Ah. Ultratech a d'abord libéré des monstres dangereux dans les mondes. Mais la corporation crée désormais ses propres monstres. Maya ne peut s'empêcher de penser que l'aide de la garde de la nuit serait bien utile à présent. Mais ils sont tous morts. C'est con. C'est pas de chance. C'est pas de chance, hein, franchement. C'est ballot. Le chargement s'est fait bien long. Isako, pourquoi ? Ok. Isako, alors qu'elle est du bon côté. C'est quoi le bordel? Oh mon dieu! Oh mon dieu! Bah après, de toute façon, Maya. Maya, je veux dire, là, elle fait son voyage pour aller à Ultratech et tout, donc. Elle a fait un. Elle a fait un petit. C'est pas normal, enfin, l'ennemi d'Isako, si j'ai bonne mémoire, c'est Spinal, hein, en tant que. Oui, bah alors. Ouais, mais. Non, c'est juste que la meuf elle fait son voyage pour Ultratech, puis bah, elle est tombée sur le village de Sako, et puis. Ah. Voilà, fight. Sako, elle s'en bat les couilles de qui est passée qui, par c'est... le Japon, ouais, c'est normal. Ouais, c'est logique, la filiale du Japon. Attends. Les mecs ont jamais joué à Lara Croft, quoi. La meuf, elle a cherché des artefacts, non, elle passe par la Russie. Pas pareil, elle s'en bat les couilles. C'est pas Lara Croft. Un peu quand même, hein. Comment t'arrives à comparer Maya à Lara Croft? Bah, dans son voyage, Tomb Raider pour enfin sur Lara Croft, des fois pour découvrir un grand trésor, il y a des indices sur toute la planète, tu vois. Moi, j'aurais plus dit Orchid Lara Croft. Ouais, pareil. On dit ça juste pour te faire chier, hein, tu sais. Ouais, voilà. Oh, t'es fait un contre en moyen. Oh putain. Oh, tu t'es fait bouffer en moyen. J'ai fait posséder. Tu t'es fait possifier. Bah alors, l'ultra là. Merci. En plus, il cancel, c'est bien. Ah bah, je m'appelle pas Dalmol, hein. Ouais. Je m'appelle pas Grand Girafe aussi. Ah ouais, c'est Et ben, des bisous. Tuben, wouhou. Eh, je suis passé niveau 22, bien. Bien fait de faire ce stream. Oh. Ouh, mon dieu, le mec, il recherche. Je vais le Pokédex, mon gars, le mec. Et là, comment battre Maya? Alors, type terre.
Dissako, Pokémon de type fantôme. Alors, les decks recherchent constamment leur maître Kanra. Dans son sommeil, leur magie permet à Maya de voir au travers des yeux de Kanra et de suivre ses mouvements. D'accord. En fait, elle le traque, c'est pour ça qu'elle passe au Japon, quoi. C'est ça. Donc, en fait, c'est là. Alors, grâce à Killer Instinct, vous avez le remake du Seigneur des Anneaux. C'est à la place d'avoir un anneau, elle a des dagues. Sauron, c'est toi. Ah, Sauron, c'est Kanra. Sauron, c'est Kanra. Alors, tout d'un coup, elle est passée en Transylvanie, apparemment. C'est beau. En même temps, c'est logique, au final, qu'elle passe par toutes les créatures, parce que si elle passe tout le temps derrière Kanra, Kanra, lui, il a dû découvrir Hisako... Cyberwolf, tu vois, pour s'ils avaient des artefacts, parce que t'as une meuf, elle meurt pas, parce que c'est une fantôme, donc elle est, comment dire, on va dire qu'elle est immortelle. Bah, Cyberwolf, fait... peut-être qu'il a un artefact puissant qui se transforme en loup, tu vois. Donc du coup, il est parti voir tout ce beau monde, et Arya, du coup, elle le suit. Et... Bah et en fait, potatoes, ça quoi. Fait des très beaux spécimens, en fait. Bah c'est ça. Ouais, c'est logique. Ce Cyberwolf, il y a, mais ça garde, hein. Ah bah c'est la S1 hein. Sabre Wolf. Oh hop. Le mec il fait des phases à l'intelligence artificielle. Oh merde. Alors, tu perds ta première barre, franchement c'est la honte pour toi. Oh là là. Oh. Voilà. C'est merde. Voilà. Bravo. Wow, il a appris à jouer avec les dagues. Wow, il a tout gagné. C'est incroyable. Quart de cercle avant, quart de cercle avant. Les joueurs de Maya sont vraiment extraordinairement forts. Ah merde. T'es quart de cercle avant. Ah, ah bah bravo. Bravo. Là j'ai loupé l'ultra. C'était quart de cercle avant l'ultra. Bah oui, ah bah ça les clips on se refait pas. Ça, le Shadow de Beast. Même Lia, en moyen, elle a compris que le Shadow Eclipse c'était la vie. Ah ouais, oh bordel. Bon allez, j'aimerais bien que ça se finisse parce que Maya. Ouh, le bon artwork. Celui-là il est sympa. Enlever les sous-titres, c'est joli. La vengeance exige un carnage constant. L'esprit de Maya se charge des horribles images de la disparition de son or, tentant d'attiser sa soif de... Bon, franchement, on dirait un blockbuster américain de merde, hein. Solo de Maya, et toute sa tribu, elle est morte, elle part se venger des méchants, et puis fin de l'histoire. Mais c'est un film de Energy 12 que tu nous dis. Ah, ils mettent des films sur Energy 12 ? Bah oui. D'accord. Oula, attention! BNB! Oh bordel! Oh là là, bordel à cul! Oh full glare! Bah alors, le manuel, connard. Là, du coup, c'est même pas full glare qu'il est en train de battre, c'est Eagle. Oui, parce qu'il est dans la map de Thunder. Ah ouais, c'est pas full. Bah, c'est le meilleur Fulgore. C'est le Fulgore le plus fort de tous les Fulgore. N'oublie pas de faire 4 Shadows en match pour un défi, c'est vrai. Ah ouais. Ouais. 4 shadows en match. Ça fait 1. Il a fait le deuxième. Ça fait 2. Voilà. Les deux tumble kick, ouais. Oh, il trop lion. Oh là là. Salope. Oh pff. Bonjour. Oui, effectivement, j'allais t'en parler. Oh, non mais en dessous de la ceinture. Ah mais je rêve, mais vous êtes pratiquement à égalité avec IA. Ah merci de poser l'éclair. Non, prends ta sang. Mais là tu vas lui arracher la barre, ça va être chaud de mettre la quatrième shadow. Hein. Bah non, regarde. Oh ce mind game dans le mind game. Mais non. Mais c'est pas possible. Ils
sors-nous. Voilà. Oh là 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 là. Ah, un bug. On va dire que c'est passé. C'est en mode film d'action Bollywood, tu vois. Saison 3, il y a un indien. Il y a Eagle, il y a Eagle. Bon. Oh putain. Maya commence à se demander si la fenêtre de son esprit fonctionne dans les deux sens et si Kanra l'observe également. Ouh, le brigand. Ouh, alors là, on était parti sur le Seigneur des Anneaux, mais finalement, on bifurque sur du Harry Potter Voldemort. Attention. Là. Le truc qui n'a aucun sens. Ah, c'est pas moi, c'est l'histoire de Maya. Aucun sens. Qu'est-ce qu'elle fout là, elle, avec Glacius? Alors, qu'est-ce qu'elle veut, Glacius? Elle a pas froid comme ça, Maya? Ah, je reviens, les gens. Elle est chaude, hein, c'est une chose. Ça, c'est Beyoncé, ça. Ah, Beyoncé. Combo break. Par contre, la voix de Maya est très très bien. Elle est une shadow, une. Ah, même pas. Ouais, ça. Mais Zine sort de ce corps. Oh, m'appelle Maya, j'ai un dragon en 28. Ok, j'ai tout foiré. Oh, on fait ce qu'on peut, hein. Avec ce qu'on a. Faut quand même pas pousser Maya dans les orties. Comme vous pouvez le voir, hein, Maya, c'est ma main. Ouais. Une grande dextérité que tu as. Oui. T'es chaud au stick. Je fais plus rire quand même, hein. Putain, mais non, mais sans déconner. Oh, les barres! Sans déconner. La lucidité de l'IA! Sans déconner. Oh, mais c'est sérieux? Oh là là, c'est sérieux du coup. Oh, mais c'est sérieux? Oh là là, ce manuel qui m'a mis dans la gueule! Ça veut rien dire. Oh, des barres! Oh, il joue sa live! Attends, tu veux quoi là? Tu veux quoi? Ouais. Ça, je savais pas. Putain, ça, par contre. Tu peux faire ça maintenant. Voilà. Mais c'est poutré. C'est chaud. La finale de l'Evo. Oh merde. Chape. Oh mon dieu. Récupère ta dague. Oh. Oh, je suis mort. Oh non, mais le mec. Zine, il m'a tué. Ah, Zine, il m'a tué. Mais non, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh là là. Mais il nous a fait quoi? Ah putain. Ah, t'as manqué le match de l'univers. Ah merde, putain. Mes parents étaient tout juste de revenir, merde. Oh non. Oh, ça craint. Eh bien, vous aussi, sur le chat, si vous pensez que Raito est un gros sac... Bah pourtant, je comprends pas, Maya c'est ma main, je comprends pas du tout. Raito, t'es mon sac. C'est mon sac. Raito est le sac de Mr. Zin, allez-y, n'hésitez pas à marquer. Oh putain, sans déconner, mec. Oh putain. Le sac. Oh là là, je comprends pas, c'est ma mec. Voilà, c'est Nier qui a marqué le sac avec plein de points d'exclamation. Oui, je suis un sac. Je balance. Hey. Oh là 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 là, le puddle punch. Il a volé. La suce a volé. Tu m'étonnes. Ah ah, troubadour.
Trop bad. Ah, l'autre il était en fire tout à l'heure, je crois pas. Le mec il jouait sa vie quoi. C'est un comble pour Glacius d'être on fire quand même. Ah oh, oh il est super stylé Mad World quoi. Bah y'a Mad World. Alors, Maya ressent l'attraction sanglante des dagues, ses actions deviennent plus téméraires alors que les dagues luttent pour contrôler son esprit. voilà. Il a pas de référence. Franchement, ça m'enjaille pas. Non, mais ça m'enjaille pas du tout l'histoire. Hein. Je pensais qu'elle serait beaucoup plus intéressante que ça. En fait, je pensais pas qu'ils allaient faire leur truc, ouais. Maya, je la vois. Non, mais Maya, je la voyais pas franchement très très bien au niveau du balance and racing jusqu'à ce que je vois la fin. Et il faut attendre la fin. Ça tease pas mal quand même. Alors on va regarder le season final. Ah, Aganus, bonsoir. Bah de toute façon, vous savez que Maya est mariée à Tusk. Non mais y a pas Tusk encore. Non mais il faut arrêter les références avec les anciens K.I. Hein. C'est un reboot celui-là. Et pourtant ça suit. Bah non, ça suit pas. C'est avant tout un reboot avant d'être vraiment... Un robot. Putain, Aganus. Ah. Il a compris comment jouer Dalmol en fait. Ouais, enfin. Ou alors c'est Dalmol qui a gardé l'IA jouer. C'est le. T'affrontes le shadow de Dalmol en fait. Oh ben. Je. sans troller hein. le shadow de Dalmol est beaucoup plus facile que l'IA. Mais c'est normal, il y a pas encore le reste du cast. Enfin si, je crois qu'il y est, le reste du cast. Non. Pas encore. Non, il y a juste Maya Combo. De toute façon, ils vont rajouter petit à petit. Ils ont dit qu'ils allaient mettre Kanra Riptor dans un moment. Donc après ça sera Aganos. Je sais même pas s'ils vont mettre Omen du coup, parce qu'ils ont même pas mis Shadow Jagos alors que c'est un skin. Et ils l'ont mis Omen. Ah ouais? Bon. Bah c'est quand même... Ça a beau être un perso bonus, c'est un perso quand même. Ah ouais, mais tu sais, eux... Oui. Les mecs, ils ont juste sorti le perso, ils sont mettre les couilles. Oui, voilà. Ah merde, attends, j'ai reçu un SMS de ouf. Le mec a écrit un pavé. C'est ah, c'est pas un mec, apparemment. Eh, hey, connard, t'es en train de me laisser poutrer. Laisse-toi faire. Quoi? Oh la. Ok. Mec a pas kiffé mon. Oh là bah oui, Pokéball, tout ça. L'autre il a fait un auto wall splat. Non mais commence à en avoir à le cul de ces conneries. Ah bah quand même. Recapture, enchaînement, ultra. Bollywood. Voilà. Ultra Bollywood. Ultra Bollywood. You're not worthy, Brain. Bah voilà. Apparemment un SMS pour avoir du taf intéressant. T'as contacté là Team O'Pif en fait? Absolument pas. C'est bien. Je suis fier de toi mon poulain. Ah ça y est. Alors il y a plusieurs siècles. South America to study the dark arts in solitude. As his power grew, so did his ambition, and he used the power of the daggers on the local tribes, bending their minds to his will. He enslaved them, forcing them to build a great temple for him to rule from. And large constructs to focus his powers. Many innocents died before the Night Guard finally captured him. Unable to be destroyed, he was burned alive, his ashes sealed in the temple he once called home, and touching his daggers was forbidden. Sneaking into the sorcerer's study, Maya discovers Khan Ra performing a dark ritual,
The evil of this place courses through her veins, every stone whispering nightmares in her mind. The daggers sense Conrad's presence, and they call to him. Ah ouais. Ouah, saison 8. Oh là, oh, c'est magnifique ça. Oh. Et il faut qu'il balance tes artoirs sur Ultra Combo. Hein. Ouais, un moyen, ouais. Wouah, chaud. Eh, c'est grave stylé. Mais... Attendez, parce que ouais. je vais parler, hein, parce que j'écris le SMS. Mais, comment ça? Wouah. Putain, c'est trop classe. Et donc, en fait, je pensais pas que... Comment dire parce qu'on va un peu débattre sur quelques fins. Hein. Oh, c'est pas fini. Ah ouais, merde, attendez, putain. Bah non, ça reste canard à battre. Ah là là, le boss de fin. Canra, un demi, moitié momie, moitié bandelette. Allez, hop. Ok. Non, mais y'a pas de logique à ça. Ah non. Non mais le... Ah putain, un téléphone, mais attendez. Wow. Alors Aito, y a un boulot. C'est le boulot. Ah oui, ça arrive. Comme moi quand, sur mon stream de la semaine dernière, je reçois un appel normal, posé, plein stream, normal. J'ai plein de potes sur Facebook qui marquent « Ça y est, le bac, c'est fini. Oui, oui. Mais bien sûr. Oh là là, le bac. Le bac, c'est génial. Ouais. Surtout quand tu l'as eu depuis un an. C'est ça. Heures quoi pour son téléphone, qu'est-ce qu'il doit être en train de faire? Ah, pour une saison 3, ce serait bien qu'ils mettent Eagle qui revienne. Qui fasse full gore à moitié humain, à moitié Eagle et à moitié full gore. Je suis sûr que ça pourrait bien rendre.
Mais ça pourrait être quelle fin alors ce... Parce que j'ai vu l'image là où t'as Eagle au-dessus de Fulgor et t'as Thunder Pas du tout ce qui est que... à terre. Ah ouais, ça a l'air super. Tu n'as point entendu. Absolument. C'est la meuf. La meuf, elle me dit, ouais, je vois un truc sur la porte de Leclerc, tout ça, un taf, tout ça, je pense à toi, nanana, patati, tout ça. Je lui fais, bon, ok, super. La meuf, elle m'appelle, je lui fais, quoi, tu veux m'expliquer c'est quoi, tout ça, nanana. Elle me fait, non, je te passe le gérant. Ah, carrément. J'étais là avec le gérant, tout ça. Je fais, bon, est-ce que vous êtes dans votre magasin demain, tout ça? Je passe dans la matinée, on se parlera, c'est mieux au téléphone, c'est mieux que le téléphone. Ah, la meuf, elle est là, elle appelle, tout ça. Ça, j'amènerai mon CV, tout ça. Ok, Le mec me fait, Ingerfist. ok, Inger Fist. D'accord. N'importe quoi. Ouais, mais... mon avis, je vais même pas y aller demain. Le taf ne m'intéresse absolument pas. C'est quoi, C'est un truc rayonnage? du drive, tu sais, là où tu dois prendre les commandes pour les mettre Ah dans les coffres des oui. voitures et tout. Là. Tu m'as pris Ah oui, il travaille en même pour temps. un Yoplait ou quoi là. Bon, on va reprendre le mode. Yoplait. On va reprendre. Alors, spoil, ce n'est pas une fin, mais un passage mode histoire d'un des persos de la saison 2. À tes souhaits. Bon, en tout cas, on va reprendre notre combat qui est fort épique. Oui, c'est pas faux. Qui est, ma foi, l'avant-dernière scène de Maya, c'est la plus intéressante. Bon alors qu'est-ce qu'il veut Basri là? Ouais hop ça suffit. La voix d'Aria est succulente. Je presse! Oh oui c'est incroyable! Amon du sapperligourdine! Je presse l'aide de ma langue! Et voilà! Fais un peu de dégâts, awesome bike, oui! C'est parti en couille, c'est ça? Et un chop! Ah non, ah non, il faut que je fasse un ultra combo! Ouais. Voilà, c'est fait. C'est fait, maman! Alors, on va voir cette cinématique de fin splendide. You not a worst prêt. Voilà, c'était la cinématique de fin. Merci d'être venu. 20 ans plus tard, qui est devenu Maya? Maya? Maya, j'aime. Oh, bientôt 23, nice. Alors. Maya savors Conrad's screams as he is pulled into the ouais, il est portal, entré dans la wishing Pokéball en to fait. ensure his end. Maya peers into the abyss, and something inside pierces her mind, showing her a terrible Retour, vision tu of a viens, nearby salut, future. Chat noir. Creatures pouring out of Voilà portals pourquoi into je vous cities dis que ça across sera the saison world. 3. Killing innocents at will. Oula, attends, the dream j'ai le of the décalage, Nightguard mais... lost forever, and the heroes of the world corrupted or Yeah, destroyed. stylé. The nightmare is burned Non. beneath her eyes. It is an omen of things to come. Non, le retour. Maya returns to Le South America retour. to reform the Night Guard and gather all the allies she Le can in retour. preparation for the war she knows is coming. Yargos, le retour. Ah nice. Salut le chat noir. Très très fort intéressant. Parfois très fort intéressant. Ouais, ah, arrête, le mec. Non mais si tu veux finir dans ton lit avec la main pleine de blanc, épargne-nous les bruitages. Merci. Gargos, bordel. Avec du Yoplait sur la main. Oh. Non mais j'avoue, fort intéressant. Déjà, moi j'aimais bien. En fait, je pensais pas qu'ils allaient mettre l'accent comme ça. Entre Maya et Kanra, je m'attendais pas vraiment l'histoire allait centrer sur le sur ça quoi. Ah ouais, mais là quand même. Et moi déjà que j'ai kiffé rien que le temple que tu vois dans la map de Maya, en fait dans le temple c'est la map de Kanra quoi. Ah bah voilà. Oh superbe. Oh là là. Et bah voilà. Mon nouveau wallpaper. Oh nice! Ah mais cette image elle est trop belle. Mais ouais donc du coup Kanra il est venu en Amérique du Sud, il a fait genre regardez je suis Kami-sama, je fais de la magie tout ça. Du coup après il a créé les dagues pour
Il a créé les dagues pour justement détruire toutes les tribus, enfin tous les gens qui étaient contre lui. Du coup, il a détruit la tribu de Maya. Maya, qui ensuite est allée dans son temple voler les dagues. Après, c'est parti en mode chasse à la momie. J'ai pas pris la photo en fait. Chasse à la momie, tout ça. Et après, elle expulse Khaenra dans le néant. Et grâce à ça, elle voit que dans le néant, justement, il y a le retour de Kargos qui va arriver. Si j'ai bien tout compris. De quoi ? Tu me la passeras l'image, s'il te plaît. Ouais. Mais du coup, j'ai pas compris, en fait, Ultratech. Après que son village soit détruit, Ultratech arrive. Et non. Ou alors Khaenra, il s'est servi l'Ultratech ? Oula, très bonne question. Ah, énorme. Ah, mais ça a bugué, ouais, je ferai après le stream. Ah, c'est génial. Ah, le retour de Kargos. Putain, franchement, je m'y attendais pas. Bon, en même temps, avec Shadow Diego et Pyomen, déjà, t'as déjà deux gros indices, hein. Déjà, je vois Shadow Diego, je vois Omen, je fais oh bordel. Ah, j'ai fait les trois défis de Maya. Ouais. T'as même eu le succès faire tous les défis avec Maya.